Monsieur, quel souvenir avez-vous de la Coupe du Monde 98? Quel souvenir, que des très bons souvenirs, puisqu'on a gagné. C'était une compétition très compliquée. L'avantage, c'est qu'on a joué à domicile devant nos supporters, donc ça pour nous c'était important. On a reçu beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Donc après, la finale idéale c'était de jouer contre le Brésil, ce qui a été fait. Et on a gagné 3-0, on est champion du monde, donc c'est une belle compétition pour nous. Et Paraguay ou Croatie, quel match était plus compliqué? Je crois que les deux étaient difficiles et compliqués parce que le Paraguay nous a posé énormément de problèmes par rapport à son jeu, par rapport aux petits joueurs et aux gabarits. Et puis Croatie, parce que ce sont des joueurs qui sont très doués avec le ballon, qui ont une très très bonne technique. Donc à choisir, je pense que la Croatie a été beaucoup plus difficile à battre. Et quand Schürrle, il a marqué, qu'est-ce que vous avez pensé là, le moment-là? Qu'est-ce qu'on a pensé? Que c'était pratiquement terminé parce que justement avec Schürrle, les Croates possédaient vraiment une belle équipe, bien organisée, bonne technique. Et puis bon, après il fallait vite réagir. Et vous savez, dans le football, tout est possible. La preuve, c'est que Lilian Thuram a marqué 2 buts ce jour-là. Et Euro 2000, vous faites l'assist pour David Trezeguet. Ouais. Et ce, le passage le plus important de votre carrière, la passe. Oui, avec l'équipe de France, ça a été pour moi le moment le plus important parce que j'ai été décisif sur cette passe. Parce qu'après, David a fait le reste du travail, puisque c'est lui qui a marqué le but de la victoire, ce qui nous a permis d'être champion d'Europe face à l'Italie. Mais c'est vrai que c'était un moment important dans ma carrière. J'ai su passer un étage supérieur et puis bon, après j'ai continué, j'ai signé Arsenal. Et les meilleurs joueurs avec qui tu as joué dans ta carrière? Il y en a plusieurs. Hein. Disons Zidane, Arsenal. Zidane, Djor Kaef, Henri, Bergkamp, Vieira, donc oui, il y en a quelques-uns. Et quel souvenir avez-vous d'Arsenal? Très bon. Le doublé en 2002, les Invincibles. Je crois que ça c'est important quand on gagne la première ligue parce qu'elle est vraiment, difficile parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Donc pour nous, le fait de gagner ici, c'est toujours important, surtout quand on est français. Ouais. Et un regret, la Champions League 2006 peut-être? Oui, le regret avec Arsenal, c'est la finale perdue à Paris contre Barcelone en 2006. Mais bon, c'est ça, c'est football. Et dernière... on gagne et parfois on perd. Et dernière question, vous avez joué en Inde il y a quelques années. Que faites-vous dans la vie maintenant? C'est vrai, j'ai joué championnat indien 3 mois avec Goa. Maintenant, je suis retraité. Je travaille pour Arsenal, je travaille pour Puma et je travaille pour une chaîne française qui est beIN Sport.